C'est vrai que l'écho est pas mal dans cet appart aussi, hein. Enfin, si Rouge pouvait éviter de changer d'appartement à cause de sa parano, ce serait bien quand même. Oh, la prochaine fois, je demanderai une cabane au milieu de la forêt, dans un arbre. Comme ça, je pourrais domestiquer les écureuils. Rouge, est-ce qu'on pourra domestiquer les écureuils? Ah oui, c'est vrai, elle est pas là. Ah oui, d'ailleurs, j'aimerais pas être la personne qui allait les voir, hein. Parce que elle a vérifié 3 fois son jardin avant de partir. Et puis, j'aime pas son sourire. T'en penses quoi, en fait, toi? Tu penses que je devrais l'arrêter, c'est ça? Mais j'ai pas envie de lui faire du mal, moi. Elle est pas si méchante que ça, au fond. Enfin... si, un peu, quand même. Elle est revenue avec du sang sur les mains, le jour. Et puis, elle a failli se faire exécuter et... elle a pas changé. Parce que je suis la seule à pouvoir faire quelque chose. C'est vrai que... elle va pas changer d'avis, elle changera jamais. Ouais. Faut que je le fasse. Merci de ton conseil, hein. Tu m'as éclairé. C'est vrai que Dorian Gray a fait un travail acceptable. Il est la coqueluche de tous les téléspectateurs. Les dernières statistiques le montrent dans le top 10 des personnes les plus charismatiques de la télévision. La ménagère de moins de 50 ans lui trouve un air mystérieux. C'est toujours mieux que le petit chaperon rouge qui s'est toujours pas remis de la mort de sa grand-mère. Il est incapable de tenir un flingue. Encore une idée foireuse d'Anastasia, ça. En plus, les beaux yeux de Don Juan sont évidemment parfaitement inefficaces sur Elisabeth. Tout de même, ça fait 2 fois qu'Elisabeth rit à ses révérences. Je ne sais pas si c'est fait escompté, mais en tout cas, il a son attention. Avec une bande de bras cassés pareil, je suis pas prête de reconquérir Léa. Surtout avec l'autre qui essaye de détraquer ma cape. Enfin, retourne à la préparation du prochain recrutement. En fait, t'aurais pas une idée, toi? Tu connais mieux les personnages, non? Une idée sur quoi? De la personne qui cherche à m'arrêter. Ah, je tiens de pas gentil. Mais pourquoi je demanderais elle aussi? En fait, je pense que c'est quelqu'un qui veut rester caché. Qui veut vous fragiliser, mais qui peut pas vous affronter de face. Sinon, il l'aurait déjà fait. En fait, c'est une sorte d'héros de l'ombre. Aussi humble que Jean Valjean et aussi peu soupçonnable d'héroïsme que Quasimodo. D'ailleurs, quand on y réfléchit, Victor Hugo a vraiment une vision. Des fois, j'ai l'impression que tu es redoutablement intelligente et que tu comprends tout ce qui se passe autour de toi. Puis tu me prouves que non. Je vais me laver. Je te laisse dans les doux bras de Quasimodo. Oh, oh mince, mince, j'ai fait tomber mes épaules. Pardon, désolé, excuse-moi, désolé. Oh, je voulais pas faire ça, désolé. Oh, excuse-moi. C'est bon? Oui, c'est bon, c'est tout bon. Tes yeux de vierge effarouchée, ils ont vu quelqu'un passer? Mais bordel, c'est pas possible d'être si parfaitement conne! T'as forcément vu passer quelqu'un! Je... mais c'était même pas capable de voir ce qui se passe sous ton propre nez, à quoi ça sert que je te garde? C'est vrai, pourquoi je te garde? Même après tout ce temps, tu restes une petite aristo inutile. Tu sais lire, mais t'es même pas foutu de surveiller une putain de porte! Je comprends pourquoi tu cherches même pas à rentrer chez toi. Tu n'en manquais à personne.
Tu vaux même pas la balle pour tuer. Ouais. Ah, c'est ça. Là, je me barre. C'est ça, tu survivras pas une journée. Et vous survivrez combien de temps sans votre vengeance? Oh, et j'oubliais. Au revoir, petite reine de rien. Je vais la buter. Oui, c'est la putain de fée, oui. Oui, bon, et là, ça est parti aussi, on s'en fout. Je sais pas comment on va pouvoir trouver, non. Non, je sais pas comment on va pouvoir une autre. Ramène ton cul. T'es sérieux là? Mais c'est super ça!